Bonjour les enfants, bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va continuer notre partie de cours concernant la reproduction chez les gymnospermes. J'ai prévu la reproduction sexuée chez les gymnospermes. L'autre fois, on a terminé la partie concernant la reproduction sexuée chez les angiospermes. Alors, on a dit que pour les gymnospermes, ce sont des plantes tous sous forme des arbres de grande taille. Et ces arbres, ils ont des aspects qui, ou bien, ils se ressemblent au niveau de l'appareil végétatif. Alors, l'exemple qu'on va étudier, ou bien l'exemple de référence qu'on va étudier concernant la reproduction chez ce type de végétaux, c'est le pin salomphale. Alors, cet arbre, ici, alors c'est un arbre pendant, c'est un arbre qui a des feuilles sous forme des aiguilles. Hein, la taille des arbres est plus de 5 mètres, et on a quelque chose, quelques structures au niveau de l'arbre qu'on appelle les cônes. Alors, ces cônes, ce sont les organes reproducteurs chez ce type d'espèce qui représente l'espèce de référence concernant les gymnospermes, c'est-à-dire tous les gymnospermes. Hein, ce sont des arbres qui présentent des feuilles sous forme des aiguilles, et les appareils reproducteurs chez ces gymnospermes sont sous forme de ce qu'on appelle cônes. Alors, ces cônes varient d'une espèce à une autre selon la forme. Hein, on a des cônes allongés, des cônes ronds, et ainsi de suite. Alors, pour l'appareil végétatif, pour l'appareil reproducteur chez les gymnospermes, on a commencé à étudier l'appareil reproducteur mâle. Alors, l'appareil reproducteur mâle, hein, ils produisent, hein, cet appareil produit des grains de pollen. Alors, cet appareil, c'est quoi? C'est que des cônes de petite taille. Se rassemblent sous forme d'un amas de cônes, petits cônes. À l'extrémité des rameaux, on trouve un amas de ces cônes. Je m'en ai dit là des cônes, car comme finit à le forage de l'arbre, hein, où les cônes sont de petite taille. Alors, si on prend un cône, hein, parmi ces cônes, on trouve que ce cône est formé de plusieurs écailles. Hein, et هاد l'écaille, ils vont le voir, tu vas voir la partie inférieure, le tête de l'écaille, tu vas voir deux gonflements, deux intifakhat, les petits tsemma, les sacs polliniques, hein. Et à l'intérieur de ces sacs polliniques, hein, on trouve les grains de pollen qui sont les gamètes mâles pour ce type de plante. Ça y est. Alors, chez les gymnospermes, en général, ce sont des plantes bisexuées, qui représentent des cônes mâles et des cônes femelles à la fois sur l'arbre, hein, où le cône mâle c'est la fleur, c'est la fleur mâle, et le cône femelle c'est la fleur femelle. C'est-à-dire, chez les gymnospermes, on n'a pas des fleurs qui présentent les deux organes à la fois, comme chez les angiospermes. Alors, chez les angiospermes, on peut trouver, bien, on trouve des plantes qui présentent des fleurs avec deux types d'organes, organe mâle et organe femelle. Chez les gymnospermes, on a la fleur, mais la fleur elle est séparée en deux cônes. Cône mâle qui représente l'androcée chez les angiospermes, et le cône femelle qui représente la gynécée chez les angiospermes. C'est-à-dire, on a des fleurs monosexuées, les gymnospermes. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir pour cette partie? Il faut retenir que chez les gymnospermes, l'organe reproducteur mâle, c'est que des cônes. Hein, et ce cône, il est formé de plusieurs écailles. Chaque écaille, sa partie inférieure, on trouve des sacs polliniques. Et à l'intérieur de ces sacs polliniques, on a ce qu'on appelle les grains de pollen. Alors, la spécificité, alors, on a l'image de l'écaille, on a les sacs polliniques. Les sacs polliniques qui vont s'ouvrir après la maturation, c'est-à-dire lorsqu'ils contiennent
lorsqu'ils sont bourrés des grains de pollen, lorsqu'il contient une grande quantité des grains de pollen. Alors, les grains de pollen chez les gymnosperme, ce sont des grains qui présentent des structures spécifiques. Alors, on a dit que les grains de pollen sont, chez les gymnosperme sont formés de deux membranes, entourées de deux membranes, la membrane externe qu'on appelle l'exine et la membrane interne qu'on appelle l'intime. Ça y est. Et à l'intérieur, on trouve deux types de cellules, la cellule entéridiale et la cellule végétative, avec deux ballonnets ou bien deux sacs aérifères. Alors, on a dit que ces sacs aérifères, ce sont des sacs qui vont être utilisés dans la pollinisation, c'est-à-dire c'est l'air qui va transmettre ces grains de pollen du cône mâle vers le cône femelle. Vous voyez? Alors, pour la synthèse de ces grains de pollen, alors on a dit que les grains de pollen chez les gymnospermes, ce sont des gamètes mâles. Alors, les gamètes, en général, chez toutes les espèces qui se reproduisent sexuellement, elles vont être, alors, elles sont formées grâce à une méiose. Alors, on a une cellule mère au niveau des sacs polliniques. Cette cellule mère, elle va subir la méiose pour donner à la fin quatre cellules haploïdes, c'est-à-dire quatre cellules M. Ces quatre cellules M, elles vont subir deux mitoses, enfin, elles vont subir une mitose, hein, et elles vont donner deux cellules, une cellule de noyau. Et chaque noyau va former une cellule. Alors, le noyau est tout la membrane, la cellule entéridiale et la grande cellule, c'est la cellule végétative. Et à la fin, on va avoir une formation de deux ballonnets, de deux sacs aérifères qui vont être utiles, qui vont assurer le transport de ces grains de pollen. Alors, pour l'appareil reproducteur femelle. Alors, même chose, l'appareil reproducteur femelle, c'est du cône, c'est un cône, mais de grande taille par rapport au cône femelle, au cône mâle. Alors, le cône femelle, qui est de la taille des roquebrune, on parle de le cône mâle. Et aussi, ce cône est composé des écailles, et à la surface des écailles, c'est-à-dire la partie supérieure de l'écaille, on trouve ce qu'on appelle l'ovule. Alors, on observe les écailles, la partie supérieure de chaque écaille, on trouve les ovules, hein, qui représentent les gamètes mâles. Alors, les gynéas de l'ovule, c'est quoi l'ovule en détail? Alors, l'ovule chez les gymnospermes, c'est un groupe de plusieurs éléments. Alors, on a ici des téguments, qui m'achèvent les gymnospermes, alors les téguments, la nucelle, hein, et à l'intérieur, on a l'endosperme qui contient deux archégones. Alors, les archégones, on a des ovules réels, il y a deux cellules qui vont être fécondées. Et, alors, c'est-à-dire les archégones, on a l'osphère, on a les angiospermes. Il y a deux osphères, on s'appelle les gymnospermes. Alors, chaque ovule est entouré de téguments qui renferment un tissu dit nucelle qui va protéger l'endosperme. Alors, cet endosperme, c'est-à-dire le gamétophyte mâle, il va porter deux ou trois archégones. Ces archégones, ce sont les osphères qui vont être fécondés après la fécondation. Alors, comment se forment les gamètes femelles, c'est-à-dire l'endosperme chez les gymnospermes. Alors, la formation de l'endosperme, alors les angiospermes, la formation du sac embryonnaire. Alors, avec le sac embryonnaire, les gymnospermes, l'endosperme. Alors, comment se forme cet endosperme? Même chose, la cellule mère va subir la méiose, et après la méiose, on va avoir quatre macromégaspores. Hein? Alors, ces quatre mégaspores, même chose, on va voir la dégénérescence de trois
ces mégaspores, et un mégaspore, il va survivre, hein, il va donner après des mitoses, il va donner 2 à 3 archigones la deuxième année. يعني أننا حلقة الميوز تتوقع في السنة الأولى والمرحلة الثانية تتطلب سنة une deuxième année pour avoir la formation de l'endosperme qui va comporter les deux oosphères qui vont être fécondées après la fécondation. Alors, on a un petit résumé qu'il faut noter dans notre cours. Alors, au cours de la première année, la cellule diploïde mère, au niveau des écailles du cône femelle, elle va subir une méiose et donne 4 cellules haploïdes, dont 3 dégénères, et la cellule qui reste, la cellule restante, se développe par mitose et donne l'endosperme. Alors, le développement de l'endosperme s'arrête la première année, on s'arrête, et après, la deuxième année, on poursuit la transformation de ce mégaspore en endosperme pour avoir les deux archégones à l'intérieur de l'endosperme, c'est-à-dire pour avoir les deux oosphères. Alors, chaque oosphère, c'est un gamète femelle, hein, qui va être fécondée après la disposition, bien après le transport des grains de pollen vers le cône femelle. Et, alors, merci pour votre attention. Alors, répétez pour comprendre la partie à dire. En attendant votre question, merci pour votre attention.